Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instinct des Copos. Et aujourd'hui, pour cette petite vidéo, je vais customer cette guitare. Et je vais vous montrer comment je vais faire. L'Instinct des Copos, c'est parti! Alors il s'agit là de ma fidèle Fender Stratocaster de 1977 ou 78, je ne sais plus trop. C'est un modèle qui, de par sa finition déjà, la couleur et tout, et puis par sa sonorité, me fait penser à la guitare d'un de mes guitaristes préférés qui s'appelle Stevie Ray Vaughan. Conçu par Leo Fender, le père de la guitare électrique moderne, les premiers exemplaires de la Stratocaster sortent des usines de Fullerton en Californie en 1954. Beaucoup de grands guitaristes lui donneront plus tard ses lettres de noblesse, tels que Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour, le guitariste des Pink Floyd, ou encore par Stevie Ray Vaughan, qui a été révélé aux yeux du grand public par nul autre que David Bowie, par son tube Let's Dance. Voilà, donc du coup, pour vraiment avoir le look de la guitare de Stevie Ray Vaughan, je vais changer les capots des micros ici et des boutons et des quelques boutons pour les mettre en blanc. Donc j'ai ici un petit kit que j'ai acheté et je vais vous montrer comment j'ai assemblé tout ça. Allez, c'est parti! Comme beaucoup m'ont réclamé un solo de guitare, et ben, en voici un. Mais attention, je suis pas trop guitariste, moi je suis plus bassiste, hein, soyez indulgent.